Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Ending Games. Je rappelle le principe. Premier point, on va tester un jeu vidéo tiré d'un animé. Deuxième point, le joueur-testeur ne connaît absolument pas le jeu. Et enfin, dernier point, le test dure seulement 5 minutes, pas plus. Allez, j'accueille tout de suite notre testeur Mika. Tu peux venir. Salut Bonjour Mika, ça Sofiane, va? ça va et toi? Très bien. Alors, on va découvrir tout de suite le jeu d'aujourd'hui. Vas-y, tu peux le prendre. Oh, Dragon Alors, Ball est-ce que tu Z, connais? Voilà. absolument pas, Alors, totalement montre inconnu pour bien moi. la caméra. Donc, Dragon Ball Dragon Ball Z. Z sur PC Engine, un jeu édité par Bandai en 1994. Eh bien, allez, on va y jouer. C'est parti. Allez, c'est parti. Tu vas pouvoir appuyer sur le bouton Run. Vas-y. Allez, c'est parti. Alors, donc, on est sur la PC Engine CD, la version CD. Que je ne connais pas. Oui, c'est vrai qu'on connaissait tous la version à carte. Donc là, c'est la version un petit peu plus évoluée. On va regarder l'intro. Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour... Ah, déjà pas mal. Alors, on est étonné de voir une introduction d'aussi bonne qualité pour 1994. En mettant dans le contexte, c'est assez rare. Ce qui nous le permet, c'est bien sûr la version CD où on peut mettre énormément de données. Alors qu'à l'époque... Allez, vas-y, tu peux appuyer sur Run. Alors qu'à l'époque, quand on compare avec d'autres versions consoles, notamment sur la Super NES, ils ne pouvaient pas se permettre de faire des introductions aussi énormes. Vas-y, appuie sur Run pour voir. Voilà, donc on passe l'intro. Hein, pour ceux qui auront envie de la voir, je leur conseille d'acheter le jeu. Alors là, je ne sais pas si tu entends quelque chose. Petite musique. Bien sûr, la musique originale de Dragon Ball Z. C'est superbe quand même pour un jeu vidéo. Ah ouais. Alors ensuite, on va voir Oh, magnifique. Superbe. Hein. Ça, pour tous les fans de Dragon Ball Z, c'est vraiment Voix génial. originale, je suppose. Bien sûr. Bien sûr. Alors maintenant, on va pouvoir appuyer sur Run. À vous, Marc. Prêt? Jouez! Donc tu vas arriver dans le début de l'histoire. Pareil, encore une introduction. Hein. On va la passer assez vite. Je te dis quand même que finalement le jeu, c'est l'histoire de Son Gohan qui raconte en fait à son petit frère, Son Goten, l'histoire glorieuse en fait, les combats glorieux de son père, Son Goku, qui est mort. Donc il va devoir affronter l'un des sept personnages. Alors pour l'instant il n'y en a que six, mais il y a un boss à la fin. Tu choisis celui contre qui tu veux te battre. Allez, Piccolo. Donc, Piccolo. Alors on avait vu Tao Pai Pai, je ne sais pas si tu connaissais les autres, Oui, les autres personnages. Vegeta, on a vu à côté de Piccolo, et puis Freezer également à côté de Vegeta. Alors par contre, contrairement à certaines versions de Dragon Ball Z, là le principe de jeu, on va le voir dans un instant, est légèrement compliqué au début. Mais une fois qu'on a compris le principe, eh bien ça va aller tout seul. Alors pareil, une introduction, moi je trouve... plutôt bien fait quand même. Vraiment magnifique. Ne mâchons pas nos L'époque, mots, on est en 1994, juste avant que la PlayStation sorte. C'est du grand art. Merci beaucoup, Bandai. Allez, on appuie sur Alors, Run on pour quand passe même jouer un minimum. au jeu. Alors, tu te doutes de quel style de jeu c'est? Ah, jusque-là, non, je ne connaissais pas du tout. Donc, on a affaire à un jeu de baston. Alors, pas du tout classique, au contraire, très original. Tu as plusieurs boutons à ta charge. Donc, il y a le bouton numéro 1, c'est pour frapper. Le bouton numéro 2, c'est pour te protéger. Pareil, bloquer les coups. Et puis, là, ton adversaire qui t'a mis plusieurs coups est en train de te faire une attaque spéciale. Ah, d'accord, donc c'est encore Alors, une sorte d'intro. c'est plutôt une belle mise en scène de son attaque spéciale. Là, alors, à ce moment de la partie, attention, c'est là où il va falloir que tu tapes avec le bouton numéro 1 que tu attaques le personnage. Alors, j'ai le temps d'expliquer quand même au niveau des barres à quoi ça correspond. La première barre tout en haut, c'est le ki, hein, c'est la force que tu vas pouvoir mettre, l'énergie que tu vas pouvoir mettre dans tes attaques spéciales. Ensuite, juste en dessous, il y a ta barre d'énergie. Donc toi, tu as déjà perdu 4 petits rectangles d'énergie sur environ une quinzaine. Et puis la barre qui est vraiment en dessous, entre vos deux barres à vous, c'est finalement ce qui va te permettre de déclencher les attaques spéciales ou pas.
Si tu perds, c'est ton adversaire qui va déclencher l'attaque spéciale. Par contre, si toi tu la ramènes jusqu'à lui, la barre orange, eh bien c'est toi qui pourras déclencher l'attaque spéciale. Autre chose, en dessous du profil du personnage, on a en fait des rectangles. Alors on va regarder dans un instant l'attaque spéciale que fait ton ennemi. Là, tu pourrais te défendre en mettant avec le bouton droite un petit peu de ki de défense. Ton bouton droit en fait. Mais ne le fais pas. Ah, trop tard. Ah, c'est pas grave. Tu pourras recharger ton ki en appuyant sur les deux boutons 1 et 2 en même temps, pendant la phase de combat. Ça permettra de faire ton... Notamment, alors je peux le dire quand même, ton Kamehameha, qui demande beaucoup d'énergie. Donc dès que tu peux, pendant la phase de combat, là, tu mets arrière pour pouvoir t'éloigner de ton adversaire et faire les deux, presser les deux boutons en même temps pour recharger ton ki. Ça, c'est très important. Alors là, pareil, il fait son attaque spéciale. Pareil. Évite de dépenser ton ki, car tu te rendras compte que c'est très important, encore une fois, pour les attaques spéciales. Donc, au niveau du profil, quand on retournera dans la phase de combat, alors là, on voit une belle démonstration. Tenshinhan, j'ai du mal à prononcer. En dessous du profil de chaque caractère, il y a des rectangles. Le rectangle noir, là, ici, alors là, tu as mis le rectangle vert. Le rectangle rouge, c'est pour attaquer. Le rectangle vert, c'est plutôt pour attaquer et recharger ton cahier en même temps, ton ki pendant le temps. Et le rectangle noir, c'est pour te défendre. Bon, ça, c'est une particularité de ce Dragon Ball Z. Il me semble que j'ai fait le tour au niveau des manipulations. Tu vas pouvoir te débrouiller. Moi, j'espère que tu vas réussir à prendre la main sur l'un des duels, pour pouvoir déclencher une super attaque et ne pas subir comme ça le combat comme c'est en train de se passer. Ah oui. Tu aimes les jeux de combat ? Plutôt, ouais. Je suis assez fan des jeux de combat, surtout de Tekken, c'est pas le moins. D'accord. Donc, tu dois être un petit peu déconcerté, j'imagine, par le, un petit peu, ouais. Le mode de jeu. Ça ressemble un peu plus à Street Fighter qu'à Tekken dans le style. Dans le style 2D, tu veux dire. Ouais, voilà. D'accord, parce qu'au niveau de l'attaque. Oui, pas trop. Pas trop, là. Et bien voilà, le jeu est terminé. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, premier point positif, c'est les graphismes. Pour une console de l'époque, vraiment pas mal. On se trouvait sur la PS1. Par contre, le point négatif, bon, ne connaissant pas la console, j'ai un petit peu galéré à trouver les boutons, même sur Mac 2. J'arrivais pas trop à attaquer, me défendre. Je comprenais pas trop. Le personnage se déplaçait. Alors, s'y faire. Très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Dragon Ball, c'est un succès énormissime, si bien qu'il y a eu énormément d'éditions, 5 exactement. Alors, je vous présente les 3 éditions que j'ai sous la main. Voilà. Pour ceux qui aiment les jeux vidéo, et encore une fois, le chara-design d'Akira Toriyama, sachez qu'il a fait sur NES le tout premier Dragon Quest. Il a également participé, bien sûr, aux autres. Il a également été le chara-design de Chrono Trigger sur Super Famicom. Et puis, certains connaissent également Toba numéro 1 sur PSX de Squaresoft, bien sûr, par Akira Toriyama, le chara-designer. Enfin, je présenterai un de ses derniers travaux d'Akira Toriyama, Nekomajin. Qui présente une histoire dans le monde en fait de Dragon Ball, à part que c'est un chat. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci à toi, Sofiane. Et puis à bientôt pour une prochaine émission d'Anime Games. Salut.